Amis téléspectateurs, amis internautes, nous tournons maintenant la page à Téléquimage, cette fois-ci pour vous parler du travail que fait la police nationale d'Haïti. Nous avons un petit segment ça qui est Allo Police. Allo Police, un segment qui montre côté que messieurs policiers, mesdames policiers, femmes policiers, il y a un travail et hiérarchie au état-major de la police. Il y a fait stratégie pour couper la sécurité dans le pays, sur le territoire national, puis marrer bandit, mettre bandit en bas code. On a habitué à ce segment ça. Je vous dis, segment ça, nous pourrons regarder encore, il faut ça de façon particulière. Moi-même, personnellement, je fais partie de segment ça, de façon intégrée même, puisque je pense que le market et l'image toujours à supporter le travail de la police nationale. Et puis, son bon travail qu'on a fait en Haïti, nous supporter, quel que soit moun. Pour la police, en lui-même, particulièrement, nous avons trouvé que le travail qu'on a fait, c'est un travail qui n'est pas facile. Il a fait avec des maigres moyens qu'on a gagné. Un travail qui est noble, un travail qui est dangereux, tout en même temps. Et récemment, dans un petit coup de pied que nous faisons en Haïti, nous remarquons que ces derniers temps, tes images font arriver en Haïti parce que nous voulons quand même faire un rapprochement pays pour nous porter une image réelle pays. C'est qu'à passer pour tout bon vrai. C'est comme ça au niveau de la sécurité ou de l'insécurité, si nous parlons comme ça. Nous remarquons personnellement, moi-même, dans l'expérience que je fais dans plusieurs allévignes que je fais, eh bien, mes amis, Haïti, du moins Port-au-Prince, puisque je parle en province, mais pour Port-au-Prince, je ne peux pas parler. Okay, parce que nous connais moi-même, je dis nous parlons à l'agent lié. Et bien, Port-au-Prince posé dans la fin de sécurité. Posé. Et ceci jusqu'à 80%. Nous remarquons le soir, nous sortis 2h, 3h du matin, nous dans la rue. Ça qui est important, qui fait un plaisir, c'est que moi, c'est pas comme moi, dans la rue, non? Moi, ouais, justement, c'est pas toi, même d'abdi, gèle, mon yon tijan, capon, yon peur, yon entre la caillou. Moun dans la rue, moun ap marché. Et en plus de ça, nous jouons des checkpoints que la police a mis, qui prouvaient que bon travail qu'a fait. C'est ça que fait, et franchement, où état-major, à la tête, le directeur général, M. Godson Aurelius, n'a pas de bravo pour lui encore une fois. N'a pas dit, mes amis, merci. Nous-mêmes dans la diaspora, nous remercions la police d'Haïti. Nous remercions le directeur général, jusqu'à policier qui piba, jusqu'à policier en lui-même, qui prend courage à deux mains, puis fait travail ça pour nous, pour rendre nous, et bien, puis à l'aise dans le pays. Le soir, oui, 2h, 3h du matin, nous descendons en bas la ville net. Nous passons dans la zone route 9 là. Chaque police même, c'est, ben, nous joignons peut-être 4 à 5. Pendant n'a fait tout là. Et de toute façon, n'a pas tester là où il y a moi qui j'en lié pour tout le monde. Oui, mettez en brave. Dis-moi regarder pour moi vrai. S'il y a parlé de sécurité dans le pays là, un jour soit c'est en week-end, je me rappelle, bra là où. Bah c'est plus passer 5 checkpoints. Ça te fait un plaisir. Les moi checkpoints, ça me salue policier yo. Yo garder machine là, yo montrer que y a travail. Ça nous remarquer nous-mêmes personnellement. Et nous t'a souhaité qu'on même qui dans la diaspora qui pour faire des déplacements, qui pour faire expérience, on capable font petit coup de pied pour remarquer pour balouer pour tout bon vrai. Insécurité énormément baissée. Bravo à la police nationale d'Haïti. Dans ce segment ça, nous va rejoindre moi justement qu'a témoigner de l'expérience que me fait en Haïti. Et pendant que me t'a conduit à l'aéroport, franchement, après que me t'ai bien reçu par le directeur général de la police nationale lui-même, monsieur Godson Aurelius et son haut état-major, je dis merci en pile pour l'accueil, c'est un accueil chaleureux. Je te recevoir, franchement, ça te fait un plaisir. Ça te fait vraiment fier de faire le travail que ça m'a fait là. Et bien après ça, nous t'es dans l'aéroport, rencontré encore une fois, tu es venu accompagner nous encore une fois, M. Hugues Brun qui m'a salué et tout. Et c'était, messieurs, ça avait impayable. Donc nous pourrons le suivre. Et nous pourrons suivre tout par rapport à travail que la police a fait. Bon, c'est que le ministère touriste là tout rentré, il a enclenché le pas, côté que Mme Stéphanie Villouin, qui c'est lui-même ministre touriste, il trouvait bon pour lui accompagner touristes. Là, nous dit touristes, pas oublié. C'est pas touristes blancs, c'est pas étrangers seulement. Nous-mêmes, touristes locaux, touristes diaspora, tout. Nous-mêmes, tout l'accompagner, nous, côté que lui mettait un service Politour, c'est la police touristique. Nous sommes à l'époque, en Haïti, longtemps, la belle époque du tourisme en Haïti, c'était les années 70, je me rappelle, moi. T'es gars fait chauffeur guide, ça a retourné ce jour-ci. Chauffeur guide là avec la police met ensemble, il fait Politour, un guide touristique, un policier touristique accompagne nous pour nous virer dans la ville là pour faire touriste. C'est belle bagaille, bel travail. Bravo à la police nationale, bravo au ministère du tourisme, à Mme Stéphanie Villouin qui dit même tout. A fond bel travail. On allait nous pas parler en pile, les images ont parlé d'elles-mêmes. La police nationale d'Haïti au travail. Valérie Saint lui a témoigné qu'effectivement, en Haïti, sécurité, c'est ça net à 80%. On nous suit. Ak soucil genye pour toujours bay population satisfaction et mettre en confiance, l'élevé ville ak tout sa le possède, la police nationale accumule nan actif li yon paquet tactique, plan stratégique à long terme pour barrer la route à tout ça qui légal. C'est mission nous lié. Nous fait serment pour ça devant peuple et nous voulons respecter ça. Pour toute raison ça yo, au commandement toujours en quête d'innovation, chercher visibilité, nous fait gros démarches pour mettre dans service population une police plus professionnelle,
plus performante de jour en jour. Vers une police de proximité qui respecte les droits de l'homme, une police de courtoisie qui est toujours prêt pour le servir, une police qui est viable, que tout le monde a fait confiance. C'est toujours l'image ça que responsable voulait pour la police nationale d'Haïti. C'est une raison qui fait que dans l'institution, il y a diverses unités qui sont toujours là pour assurer le plus de rapprochement possible avec la population. N'a pas cité un exemple, la création de la direction de la police touristique, Politour, qui jouait un rôle d'accompagnement et de sécurité pour bailler j'arrête à question touriste là en Haïti, selon les propos du directeur commissaire Karl-Henri Boucher. Et unité ça, elle est créée, c'est bien entendu, c'est sur l'instigation du ministère du Tourisme. Elle était créée par la direction générale de la police nationale d'Haïti et plus précisément au sein de la direction centrale de la police administrative, c'est-à-dire chef de tutelle, moi c'est le DCPA. Et elle est créée le 26 septembre l'année dernière, c'est-à-dire que nous avons 6 mois de fonctionnement. Mission nous d'abord, c'est pour nous sécuriser toute activité dite de tourisme, parce qu'on connaît que le tourisme représente un vecteur de l'économie nationale. Donc, étant donné que nous là pour renforcer l'économie à partir de questions de sécurité, hein, donc c'est une raison qui fait que, moi, je dis que premièrement, nous là pour nous sécuriser toute activité dite de tourisme. Deuxièmement, nous avons une mission d'orientation et une mission d'accompagnement. Par exemple, si nous avons un groupe d'investisseurs qui a entré dans le pays, nous faisons appel ensemble avec nous accompagnons, nous menons à l'hôtel. Par contre, tous les inaugurés qui sont taxis, nous avons une base de données qui a un rapport avec tout chauffeur de taxi. Une fois, nous avons une base de données complète de tous les chauffeurs et véhicules de taxi qui gagnent. Nous avons des missions que nous faisons dans différents hôtels, de contrôle, d'inspection au niveau de la sécurité. Et nous faisons au niveau des hôtels, comment hôtel y est, qui rapport qui gagne et qui suggestion que vous faites. Faut dire que de par mission nous gagnons et nous couvrons surtout la Côte des Arcadins le week-end et nous couvrons le soir suivant plan tactique nous et plan opérationnel nous. Et on est capable de dire que c'est une unité qui totalement qui a un rapport avec le tourisme et m'a parlé de tactique et opérationnel, c'est parce que tout simplement nous n'avons pas un pile policier. Et quand c'était policier, nous gagnons aujourd'hui, nous permettons que nous couvrions le commissariat, pas commissariat commune de Pétionville, nous couvrions les communes de Port-au-Prince-Lantour, c'est-à-dire les différents sites touristiques, hôtels, restaurants et sites touristiques. Par exemple, nous couvrions Boutillier, nous couvrions Kinskoff et puis tout hôtel dans la zone métropolitaine, nous gagnons des rapports à Saint-Marie. Ça, c'est un détachement de l'aéroport. Base centrale, là, de façon provisoire, et dans le ministère du Tourisme, côté que c'est la base centrale, là, c'est la structure de commandement, là, c'est là que nous y sommes, mais base ça aujourd'hui, hein, c'est juste une base de détachement qui gagne environ une dizaine de policiers et en rotation chaque semaine qui pour aider le commissariat de l'aéroport à gérer les questions de sécurité publique et la sécurité interne de l'aéroport pour aider à gérer les questions de sécurité. Belle image ça, yo, de travail la police là en Haïti, déjà vend très positivement dans la communauté internationale là. Surtout à travers émission des formations Allô la police d'Haïti. En pile moun nan diaspora qui dégain doute ak inquiétude pour retourner dans pays a, comment se senti yo confortable? C'est le cas de monsieur Valerio Saint-Louis, yon patriote qui distingue nan travail d'échange et de communication l'a fait à travers le site YouTube et à travers télé image TV show qui émet sur Long Island, Brooklyn, Queens, New Jersey. Lui montrer satisfaction de travail de sécurité que PNH là a entreprendre. Et dans la dernière tournée que l'a fait dans le pays, lui profiter pour continuer à encourager la diaspora haïtienne pour venir investir et retourner la carte. C'est important pour moi de venir rencontrer avec monsieur Allo la police, de rencontrer avec le directeur général, monsieur Godson Aurelius, et accueil, chaleur que je vois, franchement, ça a vraiment touché, il touche juste dans un travail. Moi. Et ça fait un plaisir de rencontrer monsieur Hugouin, franchement, qui sont des capes au travail. Et par contre, ça me dit encore, parce que l'autre bord, côté nous hier, ça nous voulait, ça nous relève diaspora, dans New York, dans Brooklyn, dans Queens, Long Island, en fait tout côté aux États-Unis, et même à travers le monde, monsieur Téléimage à travers le monde. Et bien, le public, les Haïtiens qui sont de bord, ils recevront un message avec satisfaction. Surtout les bandits qui n'ont pas en bas code,
et ça fait plaisir, ça fait sentir que le pays a une sécurité, il a entré la caillou, parce que ça, j'ai le TIA avant, j'ai le TIA qui a été connu, il n'est pas comme ça encore, et mini là, sous terrain, mini dans le pays, m'a circulé bien tard le soir, ça fait plaisir, comme dit nous. C'est des postes de police. Et moi, j'ai près de 5 à 6 la nuit. L'aime moins ça, bon, il y a qui peut-être, et bon, mon qui en a fait, il va faire un peu plaisir. Depuis mon poste de police, depuis mon machine de police campée dans la rue, hein. Mes amis, je suis content. Je suis content parce que je connais le travail qu'on fait là. Et ça a déjà prouvé que le monde qui prend sécurité dans la zone métropolitaine en main. Et là, moi, quand le directeur général de la police nationale, M. Coutonnet, je suis franchement avec un peu de chaleur. Et bon, les recevoir, moi, m'a dit merci à lui, m'a permis de utiliser la plateforme ça pour me remercier personnellement. Et toute équipe, tout staff de l'image, diaspora haïtienne, en mon nom, et dans nos diaspora haïtienne, nous disons un gros merci pour le travail que vous avez fait. Et à travers l'émission Allo la police, hein, parce que les diaspora haïtienne de New York, là, on s'est vraiment avec vous, les spectateurs de Cap-Cadéo, ça course, tout le monde parle avec vous. Alors la police, bon, c'est un mot de chaleur, on a remercié, on a dit au compliment pour le travail là. Et bien nous, maintenant, nous avons fait gros jalousie, donc bien content que, fois ça, on vient jouer nous pour le faire Allo la police dans un jour. On s'est fait une motion de New York à Ton. Et comme je vous dis, ça y est, on peut faire avec le directeur général de la police nationale là. Et communauté diaspora haïtienne, nous avons aimé Wen. Nous pour qui ça? Pour dire nous merci pour recevoir nos gens, pour recevoir nous dans le pays, pour recevoir nous dans la communauté, pour dire simplement, tout simplement merci. Dans 2 ou 3 mois. Voilà, donc c'est annoncé, c'est nos visites dans 2 ou 3 mois. Alors la police sera dans nos murs à New York. Et les affaires sécurité, mes amis, et en tête police nationale là, par contre qui vient au fait. Mais ça m'a remarqué, c'est que mes têtes en 4x4, ils ont réalisé le travail là. Et le DG, le directeur général de la police nationale là, bon, DG, le CPJ, il m'a rencontré tous les messieurs ça, DCA, en fait tout, et directeur général. Et c'est bravo ce qu'on a battu depuis la diaspora. Et il faut me dire qu'il y a des doléances de la diaspora que nous avons portées pour le directeur général de la police nationale là, des gens qui l'autre bord, qui ont peut-être des problèmes qui ont passé dans le pays à l'entrée, des incidents privés. Comme dit nous, DG de la police nationale, M. de Coucou de son Aurélie, dis-moi Valério, et bien, communication ouverte avec doléances diaspora. Ça. Depuis nous avons doléances, l'autre bois, on sait de petits problèmes, côté à travers les images, on a fait rentrer Vinjouen, police nationale là, et M. Hugues, directeur général là tout, et puis même si problème là, vraiment si problème là posé, j'en peux le poser, il y a résolu pour nous. Dans d'autres termes, sans être, sans vouloir, et avoir même la prétention d'être le porte-parole de la police nationale, je suis peut-être le porte-parole de mon pays pour dire à cette diaspora haïtienne qui est à l'extérieur du pays qu'il est temps de revenir. Le pays est un pays sécurisé, il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Et honnêtement, ça capte des regards de là, moi je viens, c'est Sam Devine, ouais surtout. Et nous, on ne l'aime pas aller, on dit ça pour nous. Ok? On pas dire qu'il y a sécurité 100% dans le pays. Il y a toujours des incidents, il y a des faits insolites, des faits divers. Mais honnêtement, c'est Valério Saint-Lucas qui dit nous ça. À 80% du pays a sécurisé son métropolitain, même en dehors en province, sécurisé. C'est ça que fait, nous camper avec conviction, avec personnalité, téléimage, camper DM, tout le monde dit merci et bravo à la police nationale. Quelques années avant, nous rappelons que dans la grande tournée que Allo la police a fait dans le pays États-Unis, les gens diaspora qui vivent dans diverses zones ont montré inquiétude pour rentrer dans le pays. D'autres qui étaient dissipés grâce à la diffusion émission Allo la police d'Haïti qui fait en pile dans la diaspora à travers Téléimage, Télé Boston, Radio Concorde, pour ne citer ça seulement. Et nous rappelons que très bientôt, il y a l'autre tournée que Allo la police d'Haïti a fait à travers le monde entier pour qu'elle présente une idée de Jean Diaspora au pays d'Haïti. Tout le monde qui vit dans le pays, tout le monde qui rentre dans le pays, doit se sentir confortable et en sécurité côté yoye. Direction générale police nationale là entreprend une série de constructions et réhabilitation de divers commissariats et sous-commissariats dans plusieurs zones dans le pays. Par exemple, le commissariat de Saint-Marc, Cabaret, des armes qui en construction, avec plusieurs constructions pour quelques unités déconcentrées en dans institution. Direction générale là entreprend tout pour doter quelques zones qui étaient considérées comme zones de non-droit de un commissariat ou bien un sous-commissariat pour permettre population en râler en souffle à tout faire sans conscience qui t'apprend la vie minable. Par exemple, en cours, nous songeons qui Jean Bandit a fait la plier les beaux temps dans zone ça. Donc, contrairement à Jean Saté qu'on fait, que Bandit occupe zone rurale. Et c'est dans la grande ville pour la police sortie, vient faire opération,
Et bien là comme ça, à tout faire, yo qui gagne antenne de tous côtés. Toujours envie de troubler la police. Présence constante de police dans la zone sa yo a permettre population rallier en grand souffle. Direction générale l'a déjà inauguré en pile commissariat dans diverses zones pour raison ça. Dans souci pour chercher visibilité dans mitan la police là, responsable opéré tout quelques changements de poste et transférer quelques responsables dans des postes clés de l'institution. N'a cité en exemple la direction de la circulation et de la police routière, la direction départementale de l'Ouest, direction départementale Nord, direction départementale La Tibonite et dans divers commissariats et unités en dans institution PNH là. Des changements en ressources humaines à l'attente de divers autres changements en dans différentes entités sa yo dans institution an, sous plan social, moral, surtout sécuritaire dans service population an. Dans toute intervention que le gen chance pour le faire dans différentes installations côté le remplacer directeur général là, le directeur central de la police administrative monsieur Destorel Germain toujours fait lion devoir pour exhorter différents acteurs sociaux qui représentent la population dans cérémonie pour corriger travail la police là, puisque toute sa responsabilité bral gen pour yo faire dans zone là bral dépend de sa population à pas tant de yo. Ce n'est pas une affaire entre nous-mêmes, c'est notre famille, notre collaboration. Côté qui chauffe, qui besoin d'assistance, qui besoin de présence policière, il n'y a pas hésité. Le commissaire, directeur départemental, il est à votre service. C'est pas mon chef supérieur, et nous besoin de votre côté pour répondre, pour garder nous. Nous ne sommes pas capables de satisfaction, mais c'est pour ça, là, pour faire passer le message. Au niveau de la direction générale. Pendant la police a bataille pour faire rétablir la paix, l'ordre, la sécurité et la tranquillité dans le pays, responsable a mené tout, yon lutte constante pour investir dans le social et maintenir une grosse campagne de proximité avec la population qui est considérée comme cheval bataille PNH là. Le sport, par exemple, fait partie intégrante de l'activité la police avec un actif li une équipe de football qui a milité en deuxième division, une équipe basketball qui déjà accumulé plusieurs victoires, titres, médailles, coupes dans divers championnats. Ça fait culture sport dans PNH là, ça fait pépinière. C'est de petit en petit oui que PNH là a joué privilège ensemble avec population, yon belle harmonie pour une sécurité garantie. C'est surtout gros défi ça que la police bay tête li. La police nationale d'Haïti utilise tout moyen pour faire corps à corps avec population et ensemble, yo déjà réalisé un pile bel exploit. Mais c'est commencement yon complicité pays police. Maman et petite, c'est pour ça notre travail et c'est là nous voulons arriver. Chaque jour bon Dieu mette jou ou au commandement chita sur yon seule question. Qui le pour population en fait police li a confiance totalement. En tout cas, lutte la fait quand même. N'a travail pour vous, mettez-moi ensemble avec nous pour nous arriver dans bout nous. N'a pas cumulé tout ça bon pour nous avoir bon résultat. Acquisition matérielle, formation tribobabo. Déjà, il y a une 25e promotion qui prend formation dans l'académie pour venir grossir en PNH là. Très bientôt, il y a une autre promotion commissaire qui bral prend service. Sans compter en pile cadre qui dehors dans divers pays amis Haïti. Où est Jean police la professionnalisé. Tout ça yo, c'est mesure pour nous couper bandi oui. Moun sa yo qui comprennent que la police ka bay le gain. Ou pap 6. La police c'est en force et ensemble avec population n'a privé pile loin.